25 ans après la mort de Lady Diana, le prince William continue de lui rendre hommage. Prince de Galles, il s'engage, comme elle, pour les plus démunis. Je m'intéresse au problème des sans-abri depuis que ma mère m'a emmené, à l'âge de 8 ou 9 ans, à The Passage, une organisation caritative qui s'occupe des sans-abri et dont j'ai maintenant l'honneur d'être le parrain, confie le duc de Cambridge dans le podcast de l'organisation Groundwell, dont le site Tatley se fait l'écho. Je pense que cela m'a légèrement ouvert les yeux sur certains des défis auxquels sont confrontés les gens de tous horizons. Je pense que beaucoup de gens vivent dans des bulles, poursuit le fils aîné de Charles III dans les extraits du programme dévoilé à l'occasion du Red Nose Day, journée de lutte contre la pauvreté organisée en mars dernier au Royaume-Uni. Supérieur à photo, Lady Diana, retour sur ses plus beaux moments de complicité avec ses fils William et Harry, également parrain des organisations caritatives Centrepoint, qui vient en aide aux SDF. William poursuit, je suis donc vraiment reconnaissante envers ma mère de m'avoir emmenée et de m'avoir montré une autre partie de la société à laquelle je n'aurais probablement pas été confrontée. L'époux de Kate Middleton raconte que d'avoir pu rencontrer des personnes incroyables et merveilleuses, écouter les histoires et passer plus de temps à parler aux gens, a suscité en lui un intérêt d'autant plus important. J'ai toujours été très inspirée par ce que j'ai entendu, ajoute le frère du prince Harry. Chacun d'entre nous peut être à deux doigts de devenir sans-abri. C'est la chose qui, lorsque j'ai parlé aux gens, m'est apparue très forte. Et je pense que certaines des idées fausses sur les sans-abri sont qu'il y a un certain type de personne qui peut devenir sans-abri. Avant de glisser, il semble que beaucoup de nos problèmes commencent par le fait de se sentir très isolé et très seul. Crédit photo, backgrid USA Best Image.